Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de parler d'un sujet qui concerne la majorité des acteurs de sport au Cameroun. Il y a quelques jours, je parlais avec un président d'une fédération et je lui posais la question de savoir quand est-ce que eux ils vont organiser les élections. Et il m'a dit que pour le moment, le ministère des Sports n'a pas encore donné le quitus pour organiser les élections. Je me suis dit, mais comment c'est le ministère des Sports qui doit vous dire quand est-ce que vous organisez vos élections? Les élections au sein des associations nationales se font par la convocation du président de la fédération ou par trois quarts ou par deux tiers des membres de l'Assemblée générale. Comment vous attendez que ce soit le ministère des Sports qui vous donne le quitus? Ils disent que maintenant, c'est comme ça que nous, on fonctionne ici au Cameroun. Justement, j'ai demandé à une association, membre, une association du Cameroun, en particulier la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Et j'ai voulu me procurer un peu les statuts, parce que voici le statut ici, et j'ai pas tout. Et on dit, l'Assemblée générale peut être ordinaire selon les sujets inscrits à l'ordre du jour. L'Assemblée ordinaire se réunit une ou deux fois tous les 2 ans en session sur convocation du président de la FECANAS ou de deux tiers des membres du conseil d'administration. Le quorum est de deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale remise à 24 heures et dans ce cas, elle peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Vous voyez très bien que dans toutes les fédérations, je dis bien dans toutes les fédérations, on dit que l'Assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation du président de la fédération ou sur deux tiers des membres du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale. Mes chers frères qui êtes dans des fédérations, vous n'avez pas besoin du ministre des Sports ou du ministère des Sports pour organiser vos élections. Organisez vos élections quand les membres, quand la fédération a déjà fait 4 ans. Et aujourd'hui, après les Jeux Olympiques, normalement, c'est une nouvelle Olympiade qui commence, qui va s'achever en 2028. Donc, normalement, vous ne devez pas attendre le ministère des Sports pour vous donner le quitus d'organiser les élections. Je suis quand même outré de voir un chiffon comme ce que M. Yerima a envoyé aux gens pour leur dire que j'ai l'honneur de vous informer que l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles nationales est un processus harmonisé. Harmonisé par qui? Ce processus est harmonisé par qui? Par le ministère des Sports? Mais monsieur, vous n'êtes pas. Moi, je dis que le ministère des Sports n'est pas la tutelle des fédérations. N'est pas la tutelle, hein. Parce que les vrais patrons des fédérations sportives nationales, ce sont des associations sportives internationales à qui c'est elles qui valident les élections des présidents dans des associations et non le ministère des Sports. Monsieur, n'inversez pas le sens de la roue. N'inversez pas le sens de la roue. Donc, vous là qui êtes au ministère des Sports, il faut arrêter vos histoires que vous faites là. Il faut arrêter ça. Vous n'êtes rien. Vous êtes là pour vérifier qu'il y a une conformité au niveau de la loi et des textes.
Vous n'avez pas à convoquer une assemblée générale ou bien de dire aux associations que oui, ici, là, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Jamais. C'est faux. C'est faux. Monsieur le président des fédérations, je vous dis ça. Aucune personne au ministère des Sports n'a le devoir ou le droit de vous dire que maintenant vous pouvez organiser vos élections. Messieurs, quand une Olympiade est passée, une nouvelle commence et vous devez faire des élections. Arrêtez de vous faire infantiliser par ces gens du ministère des Sports. Parce que justement, il y a des gens dans ce ministère-là qui n'ont pas la compétence de leurs compétences. Ils n'ont pas cette compétence-là. Lucien Métombo me disait l'autre jour qu'au ministère des Sports, il y a une direction qu'on appelle la direction des sports de haut niveau. Qu'il n'y a aucune personne dans cette direction qui a fait le haut niveau. Comment vous pouvez comprendre ça? Et ce sont des gens-là qui viennent dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Dans quel monde? Dans quel monde? Vous voulez fabriquer un nouveau monde? Vous voulez fabriquer un nouveau monde? Mais non. Mais non. Messieurs les présidents de fédération, c'est vous et vous seuls et vos assemblées générales qui ont le droit de convoquer les assemblées générales et non le ministre des Sports ou le ministère des Sports. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on cesse. Et justement, est-ce que vous savez que beaucoup de présidents de fédération ne savent pas qu'ils bénéficient d'un matricule budgétaire depuis 2023? C'est ça qu'on a envie de leur cacher au ministère des Sports. Arrêtez de vous faire infantiliser. C'est une circulaire du ministre du premier ministre qui dit que désormais, les présidents de fédération jouissent du matricule budgétaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Si vous avez une compétition à l'international où une équipe nationale du Cameroun doit participer, vous faites votre budget, vous allez discuter de ça avec au premier ministère et le ministre et au ministère des Sports, on compte. Et s'il vous plaît, personne au ministère des Sports ne doit vous dire ce que vous devez ajouter dans ce que vous avez fait comme budget. Parce que c'est comme ça qu'ils volent l'argent du pays. C'est comme ça qu'ils volent l'argent du pays. Et la Fédération Camerounaise de football, on n'a même pas encore, fait les réunions pour faire les matchs de la double confrontation. Mais on leur a déjà dit que non, il faut qu'ils ajoutent 25 millions pour les équipements des Lions, il faut qu'on ajoute 20 millions pour la CRTV. Voilà comment les gens volent. Ils volent. Donc, cessez de vous faire arnaquer par ces gens. Parce qu'au ministère des Sports, il y a des gens qui sont là seulement pour calculer l'argent des fédérations. Et il y a une dame là-bas, je vais donner son nom bientôt. Elle a volé le projet de fédération d'une fille qui est venue proposer. Aujourd'hui, c'est elle qui bénéficie. Elle est au ministère des Sports, elle est présidente de fédération et c'est elle qui bénéficie de l'argent de cette fédération. Alors qu'elle est fonctionnaire. Elle n'a pas le droit d'avoir une fédération en étant au ministère des Sports. Voilà comment ces gens passent leur temps à escroquer, à piller l'argent de l'État. Les voilà. Vous vous imaginez qu'au ministère des Sports, c'est un endroit où les gens passent le temps à voler les projets de création de fédération? Vous le savez? Non. Alors donc, messieurs les présidents de fédération, cessez de vous faire arnaquer. Un, le ministère des Sports n'a pas le droit, ne peut pas venir vous imposer d'organiser vos élections. C'est vous et vos assemblées générales qui avez le droit de convoquer ces assemblées générales. Deux, le ministre, vous bénéficiez désormais d'un matricule budgétaire qui vous permet désormais de dépenser, de faire des budgets pour les compétitions de vos équipes nationales à l'international pour que vous puissiez participer. Cessez d'aller au ministère des Sports. Ils n'ont rien à vous dire là-bas. Plutôt, ils vont venir vous dire que ajoutez tel pan. Comme ça, vous allez venir. C'est comme ça. Donc, faites attention. Et à la direction des normes, il y a des voleurs de projets. Si vous avez votre projet de création de fédération, faites très attention. Parce que voilà les voleurs de projets. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut cesser de vous laisser embrigader par ces gens. Parce que c'est eux les voleurs. Voilà. Ciao.